Allez, let's go les amis, c'est parti pour Water 7. On va aller un peu parler aux gens hein, quand même, hein, savoir ce qui se passe, les différentes choses. Voulez-vous voyager à dos de mule? D'accord, ok, faut s'enregistrer d'abord. Ah ouais? D'accord, il y a plusieurs types de boules. Ok. Ok, on va pas faire cette blague trop souvent, ça va être embêtant. Ouais, visiblement, c'est des chevaux. C'est des chevaux de mer. Les gens sont sympas. Hein. Ah, vous venez pas nous piller? Bon, bah, c'est bon alors. Bah, ça reste des criminels normalement. Hein. Ok. Bah, ouais. Vous avez pas l'air paniqué, vous avez pas l'air très préparé non plus. Ah là 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 là. Ok, bah s'il le dit. S'ils sont persuadés que tout ira bien. D'accord. Paul. D'accord. Guy Company. Maline la petite amie. Ah, c'est cool. Elle est encore plus contente la Nami. Elle a entendu le mot gratuit. Elle est aux anges. Allez, c'est parti. La cité de l'eau. Oh là là, mais à qui peut bien être ce vélo qui faisait sûrement le vélo? Ouais, Kaku. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un amiral dans les parages? Ce qui est bien, c'est que oui, comme les gens le savent et qu'on est dans le monde mémoriel, ils font pas semblant que ces persos soient pas des agents du gouvernement. Ça, c'est de la porte. Ça, c'est de la grosse porte. Galera Company, à ce coup-là. Michio Marushka Naimitaine. Ça, Galera Company, no Ichiban Dock ni Mukawa yo. Ouais. Faut nous empêcher de nous barrer. Salaud! Ils veulent nous empêcher de nous barrer. Ok, alors étudions la map. Oh putain de bordel de merde. Ok. C'est un peu grand. C'est une map un peu grande quand même, hein. Avec plein de divisions et de subdivisions là. Oh, ça va être long à explorer. Hein. C'est pas gagné. Hein. Je suis pas prêt d'aller au port numéro 1 là. Je dois l'avouer. On n'est pas prêt d'y arriver. Ok.
Ça miaule les lapins. Peut-être. On sait jamais. Énorme. Est-ce qu'il y a des gens à rechercher? Ah, oh, actuellement non disponible. Ok, d'accord. C'est un, c'est un lapin qui miaule. J'adore. J'adore, j'adore. Oh, c'est gentil de s'inquiéter. Eh ben non, attends. C'est pas toi que je veux parler d'abord. Ouais, c'est parti, on va quand même faire la fête, hein. Pour avoir le bonus d'XP, au moins, qu'il soit là. Lady ni wa kono tokubetsu na hitosara da. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Je vais pas aller par là tout de suite. J'ai pas fini d'explorer cette zone. Oh, qu'est-ce que t'as à dire toi? Ouais, bon, t'avais rien d'intéressant à dire. C'est quoi cette... C'est pour aller où là? Ah, c'est pour... Bureau de change. De change. Bureau de change de quoi? Ah ouais? T'as bien raison. Travaillons honnêtement. Alors, purée, hey, l'exploration va être compliquée. Hein. Ouais, c'est un Yagara boule. Bah, c'est surtout que grâce à eux, ils peuvent se déplacer tellement facilement que, honnêtement. Vas-y, hein. Oh putain. Je me dis, je vais reprendre Luffy. Évidemment, il y a une caisse de métal qui est là. Bravo, le boss. Ah. C'est qui? Un cube d'Usopp. Évidemment, Usopp est pas dans les parages quand on a un cube de lui. Vous auriez pu me le rappeler quand même. Qu'on a. Qu'il y a des techniques qui sont. Qui ont été. Qui peuvent passer niveau 2 là. Non mais. Bon, pas forcément les techniques que j'ai besoin, visiblement, mais. Au moins. Voilà. Quand même. Ah vraiment le jeu te dit ouais il y a le temps. Bon par contre ouais là beaucoup trop utile. Pareil hein, ici hop là tac plutôt ici celle-ci. Ouais il y a en théorie pas besoin de tout initialiser. Allez ah. Ok, je peux juste en prendre 3 en fait. Hop, et je vais le mettre sur lui. Ouais, pareil ici. Ah, mais c'est Thunderbolt Tempo qui a. Ah, ouais, mais j'ai Thunder Lance Tempo quoi. Est-ce que c'est vraiment utile d'augmenter au niveau de celle-ci? Elle fait quoi? Elle fait 2000. Elle est à 2200 d'attaque. Voilà, elle reste à 2400. Hein. Bon, pas grave. On verra plus tard. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Cette place-là, visiblement, c'est bon aussi.
Ok, toi tu vas m'empêcher d'aller là, c'est ça? Ah, ok. Donc... Si tu le dis. Oh. Hop. Ok, et là, donc je passe par ici. Là, on va prendre... Ah, mais j'ai pas Sniper King! Merde! Je vais pas pouvoir prendre tout ce qui est en haut. Bon bah c'est pas grave. Elle est trop mignonne. Ouais. Bon, ils sont quand même sur... juste là pour récupérer des plans, mais ils veulent assassiner le maire, mais voilà. Zoro, on a besoin de toi. Voilà. Bon, ça va être de l'exploration tranquille ce matin. Quoi ? Ok, bizarre. Ok, bon. Ah mais vraiment, il me faut, en plus il me faut Nami-chan. Hop, hop, tac. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Ah oui, finalement ils sont faibles à Love, à Love Punch. Non mais je vais pas te faire combattre Chopper. Ah mais j'ai pas Pipo. Bon bah pas grave. J'ai pas Usopp. Purée, Usopp qui troll là, pas être là. Oh là là. Bon bah pas grave, obligé de... Voilà. Ah ouais? Ah ouais? Ah. Ouais ouais. Nami-chan, elle est... Elle aime racketter les gens. Elle est plus dure que la plupart. Que la plupart des... Makasero. Ah, là. Oh, Zoro. Ok. On sait jamais, toujours le maître. On sait jamais, hein. Club de Yaga. Bah techniquement non, on pourrait juste aller chercher notre Franquiano. Hein. Ok, c'est étrange, mais pourquoi pas. D'accord. Ah.
Parle-moi. Ah, c'est vrai que je me rappelle pas de ça. Mais oui, oui, effectivement. Hop. Il y a un point de téléportation ici. Bon, attends, je vais prendre ça. On va prendre Zoro. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des rails installés sur l'océan. Cool. J'aime bien pouvoir me téléporter. Ok. Tac, 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 tac. D'accord. T'as bien raison, ma petite. Non! Non, mais c'est une blague. Il y a une mini-quête comme ça, avec un truc où faut répondre qu'on se barre et tout ça. Incroyable. Purée, donc faut vraiment que je parle à tout le monde pour trouver quel mec va avoir besoin de la bille. Tout ça pour une récompense sûrement en argent qui est pas si folle que ça en plus. Oh les malades. Oh. Ah. Oh mais vas-y pour me rappeler de ça. Purée, il est pas dans... Oh là là, et c'est trésor quand je vais avoir la clé qui me permet de t'ouvrir vraiment. Ça va être l'enfer. Ah. Où ça, Sanji? Là, juste ici. Ok. Ok, ok. Tac. Je crois que j'ai fait tout le tour de cette zone. Il n'y a qu'une seule sortie où il faut remonter. D'accord, ok. Faut parler à tout le monde pour savoir qui va avoir besoin de la bille. Incroyable. Incroyable ce suspense. Tu m'étonnes. Ouh, alors là, ça c'est un coffre que je peux ouvrir. Ça j'aime bien. 40 000 berries. Nami va être contente. Oh! Il y avait encore de l'argent. Oh, il y avait encore de l'argent. 200 000 berries qui étaient cachées à côté d'un coffre où il y avait 40 000 berries. Ils sont malins parce qu'ils se disent, bon, les gens ont trouvé mon coffre, je perds 20 000 berries, 40 000 berries, mais c'est pas grave, j'ai 200 000 berries de cachées juste à côté. Et bah non, avec Nami, on trouve tout. On vous pille tout. Tu crois quoi, toi? Ah non, toi tu veux pas parler. Eh bah si tu veux pas parler, tant pis pour toi. Bon vas-y, t'es vachement utile toi. Oh purée, incroyable! Retournement de situation, la bille est pour une petite fille, donc pour les récompenses c'est mort. Anno Certi. Bah non, parce que cet anneau il va appartenir à quelqu'un. Hein. Mais bon, j'adore le suspense de cette quête. J'adore cette quête là où faut parler à tout le monde parce que t'as d'abord sauvé un mec un peu sans faire exprès puisque la réponse que tu donnes habituellement te lance pas la quête. Intéressante, c'est presque une quête secrète, c'est trop cool, j'adore.
Comme quoi, ils ont des petits éclairs de génie, là, de mettre cette quête-là. J'aime. On va reprendre le capitaine. Capitaine, c'est quand même toi, le capitaine. Pas bête, le chien. Makasero. Je vais juste prendre juste à côté. Ok. Ouh, il y a un cube. Il y a du cube. Eh bah, j'espère pour vous. Oh, Robin. Fragment de cube de Robin. Attention les gars. Je suis au niveau supérieur sur cette attaque qui tue tous les garçons. Bah, tu cherches pas une... C'est de bons conseils. Qu'est-ce que tu vends? Ouais, surtout des pommes, des infusions, de l'aquaviande. Oh, de l'aquaviande. Je serais content, les filles. Oh, ok. Oh, rien de bien. Rien de bien fou. Enfin, rien de ce que j'ai besoin pour l'instant. J'ai encore pas mal de réserves quand même. On va pas se pêcher. Ok. Tac, tac, tac. Ça, c'est fait. Par ici. Ok, hop, voilà, on pille, tout ce qu'on peut trouver, hein. Hop, où ça? Oh, juste ici. Ah ouais, comme quoi, faut le voir, hein. Elle a l'œil, ma petite Nami. Ah bah oui, on va faire de la vitrine. Chat blanc, miaou. Non. Bah choisis pas alors. Hop, ouh, un fragment de cube de... Ah purée, Zob, t'es pas là. Je suis chat noir. Ok. Énorme. On vend pas d'armes aux pirates. Donc me le dites pas. Comme ça, je peux pas le savoir. Énorme. De toute façon, je pense pas que t'aies des lames qui intéressent Zoro. Je t'ai parlé à toi. Bon, surtout si t'as pas de prime sur ta tête, c'est que vraiment ça va quoi. Ouais, non, mais j'ai pas envie de courir, de toute façon. Je suis tellement pas pressé. Ouais, un fragment de cube de Sanji. Hop, tac. Et niveau point de technique, Sanji, par contre, il a la ramasse. Hein. Dans un combat un peu sérieux, ça peut être embêtant, mais en même temps, j'ai pas de combat à faire, je pense. Hein. Pour le remettre. Mince.
Mince, j'ai cassé le dialogue de ma belle lime. Non, je l'ai pas vu. Je suis désolé. Je vais prendre le plus intelligent du groupe. Non. Voilà. Bah oui, ma petite, vas-y. Ah si, je peux te parler. Il est là. Il est là, le petit-fils. Vous vous ressemblez quand même un peu tous. Hein. Ils auraient pu faire un peu plus de personnages différents quand même. Hein. Ils exagèrent. Hop. Oh, je l'avais pas vu celui-là, donc tant mieux. On peut pas rentrer. Ah, si on peut rentrer dans celle-ci. Vêtements de l'os. Beaucoup, je dirais. Bah alors, madame, on vend des contrefaçons ? Bah ouais, j'aimerais bien, hein. J'aimerais vraiment bien que t'aies réellement des choses à vendre, hein. Des skins, ça serait trop cool. Hein. Bah te plains pas, il y a des sièges. Ouais, vivement que j'ai les clés de ces coffres. En plus, le pire, c'est que je sais très bien que quand j'aurai les clés de ces coffres, je saurai plus où ils sont. C'est l'enfer. Oh, je vais aller débloquer ça. Non ! Oh, ok, c'est juste pour me dire c'est pas par là, donc j'ai pas le droit d'y aller. Je croyais que ça déclenchait la synaptique pour y aller. Y a du fric quand même, hein. Ouais. Yeah, wow, 200 000, c'est incroyable. Vive le fric. Vive le fric, vive le fric. Je l'ai vu, hein. Je t'ai vu, hein, toi. Mince. Ah, voilà. Oh, un cube de chopper. Chopper. Hop, et. Ah oui. Ikuzo. Quand même. Floup. Voilà. Bah, avec tout ça, je sais plus où j'en suis, tiens. Ah, si, ça, j'ai fait. On donc m'interdit d'aller par là parce que c'est pas par là qu'il y a le quai numéro 1. Donc, on va aller descendre les escaliers. Alors, on m'oblige à aller au quai numéro 1, c'est un peu triste. Mais c'est la vie. C'est la honte quand même. Je vais leur parler à eux parce que si ça se trouve ils ont besoin d'une bague CRT, on sait pas. Oh! Ikuzo. Hop. Yoshi. Tac. Plein de navires intéressants, je suis sûr. Ah ouais? Je me rappelais pas qu'il s'appelait Atori. Hmm.
Eh hey, je m'en doutais. Oh mais attends. Ah non, j'avais cru qu'on pouvait casser le... Je sais pas pourquoi, j'ai cru un instant qu'on pouvait casser le mur, mais visiblement non. Attends. Purée, il y a des... Il y a de ces trucs à Water 7. Attends, t'as dit où est mon... Ah voilà, ici. J'ai bien bien refait par contre mon portefeuille, ça c'est cool. Par là, c'est pas du tout par là qu'il faut aller, donc je vais aller par là, à part si on m'en empêche. Yeah, non, on n'empêche pas, donc je vais pouvoir visiter par là. Oh, eh ben j'ai raison, parce qu'il y a un petit cube de Robin. Un petit cube pour ma Robin. Ah d'accord. Ah bah oui oui forcément. C'est une tsundere, Lim, hein, vraiment. Ah, c'est difficile hein, de faire des choix des fois. Bah oui. Ou alors ça voudrait dire que leur dressage est particulièrement violent. Non non mais de toute façon je sais où est le numéro, le quai numéro 1, c'est juste que j'étais en train de visiter. Ouais. Vas-y petit, dénonce ton père. Il y a des gens qui méritent de se faire frapper. Ouh. Ah mince, attends. Hop. Voilà. Ah non, c'est pas indirect, hein, là, c'est complètement direct dans ta gueule. Ici, c'est fermé. Je suis surpris que Sanji intervienne pas, je pensais qu'il y aurait des trucs. Là. Bah oui, il y en a partout des tables, ma petite Lim. Là, tu vas me dire qu'ils sont pas prêts. Ouais. Je m'en doutais. Morphal. Ouais, cette fois-ci. Ah oui, quand tu commences à connaître les cascades via les cascades de sable de Alabasta, tu peux être surpris par le fait qu'il y ait des cascades d'eau. Quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Bah, c'était pas un cube de Chopper? C'était un cube de qui? Ah, de Nami! Puis ouais, je suis allé trop vite dans la lecture en fait. J'ai cru voir le Chopper. Mais... Ouais. Ok, ah, juste ici, ok. Voilà, zone de détection de ce genre de choses est pas vraiment. Faut être vraiment proche.
Et pourtant. Pourtant, il arrive. Hop, tu vois, un club de Yaga. Ah, ils font surtout partie du gouvernement. C'est sûr tout ça. Enfin pas tous, mais les plus puissants. Ah, c'est important de prendre des pauses. Ok. Et bah c'est bon, on va pouvoir continuer vers le port numéro 1 et lancer l'histoire de Water 7. On regarde. Attends. Quoi, j'ai raté une caisse aussi visible ? Ah, c'est pas juste régénéré ? Ah bah non. Incroyable. J'avais raté une caisse vraiment sur le chemin. Mais j'ai l'impression que eux, je leur ai pas parlé. Ah, si, c'est le mec qui me dit ils sont plus grands, mais ils sont plus sociables. Oui, on sait. Bah ouais. Bah alors c'est pas à cause de toi que c'est pas le même. T'inquiète, ça je sais qu'ils sont costauds. Mais ils sont pas assez costauds pour moi. Oh ! Oh, c'est pas des brutes, c'est des gens passionnés. C'était donc toi pour la bague, Nami, ma pauvre. T'as commencé à comprendre. Ah! Oh, donc j'ai gagné un bijou élémentaire électrique, ok. Jamais avec Nami on s'arrête. Mais là je pense que c'est la fin puisque j'ai eu un bijou que je peux mettre. Ouais, je me doute bien que les charpentiers se lassent pas faire, surtout quand ils sont affilés à la marine nationale, mondiale plutôt. Mais bref. Les Yagas sont de sortie. Les Yagara. J'ai pas de peau. Hein. Vraiment pas. Ouais, mais je sais que c'est rempli de bagarres et que faut que je fasse gaffe, t'inquiète. Moi je vais éviter de m'en approcher parce que je veux visiter de l'autre côté avant. N'importe quoi ta réflexion. Bref, de dire oh j'y vais seulement si blablabla. Décide-toi, mec, décide-toi. Ah. Oh, j'aurais récupéré quand même pas mal de d'éléments, ça c'est cool. Là t'exagères effectivement le fil, hein, quand même. Oh Sanji. Ok, et il me faut Zoro. Mince.
Ça fait plaisir de t'avoir, Nami, mais c'est Zoro que je veux. Je sais pas ce que je veux faire. Mais. Oh! Alors. Tac. Le quai numéro 1. Avec toutes ces machineries. On construit des bateaux. C'est sûr. Non, on va pas lui péter la gueule directement. Là, il est juste qu'un contremaître talentueux pour l'instant. Oh là là. Ah, c'est quand même assez grand, hein. C'est quand même assez grand. T'inquiète pas mec, je trouverai bien Lucie. Ou c'est lui qui va me trouver. Ça se voit pas trop que tu travailles mec. Ok. Bah ouais, même si on peut les battre assez facilement, c'est le meilleur moyen de perdre du temps à devoir combattre 20 000 personnes là. Hop là. Ok. Oh ouais, toujours. Ah purée, encore un cube de Zup alors que le Zup est pas là. C'est non ça. Je pense que c'est bon ici, j'ai tout fait. Là, il y a quelques trucs. Ah mais j'avais pas vu une caisse de l'autre côté moi, justement. Ouais. Heureusement que je m'en suis rappelé. Ok. Ah surtout que les queues de lézard, ça permet de faire des plats qui sont intéressants de mémoire. Mince, voilà. Ah, c'est quelqu'un qui veut à qui faut parler. Ah mince. Luffy, tu peux pas passer ta main ? Qui attendent, qui font la queue pour la cantoche, j'ai l'impression. Et voilà, c'est ça, c'est la queue de la cantoche. Hop, cube de Yaga. On va essayer de voir si on peut pas trouver des trucs là-dedans. Allez, grandes zones comme ça, de toute façon.
J'ai dit un mec qui arrive pas à se décider sur ce qu'il va prendre et donc la queue n'avance pas. Oh, oh j'allais le rater. Ok. Yoshi. Ok. Ok, ok. Les mecs sont cinglés. Ah, mince, c'est la fin. C'est la fin. Et bah, faut redescendre tout en bas hein, maintenant. Hein. Donc, tout en bas. Et on peut. Oh, pour une fois, on peut couper. Est-ce que je peux couper la file? Yeah, je vais aller voir à l'intérieur. Il y a un étage ? Ah, il y a un étage ! Oh, incroyable ! Non, pas particulièrement. Sanji qui va nous faire une crise cardiaque. Ah, mais l'étage n'est pas accessible en fait. Ok, parce que effectivement, dans un bâtiment, tu n'as pas le droit de sauter, c'est évident. Les gens ne sautent pas dans les bâtiments. Ouais, on n'a pas besoin de s'attirer des ennuis là. Bon, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Ah, mais attends, on peut pas aller voir. Ah, ouais, il est là-haut. Ok. Est-ce que j'ai un truc pour m'accrocher, pour aller voir? Non, pas du tout. Bon. Et voilà. Ah mais je peux aller sur l'autre quai, de l'autre côté. Non, on va me dire, oh là là, c'est pas par là. Et que je regarde l'heure aussi. Oh, un truc bien important aussi, ça. Je t'ai vu, un petit cube. Un cube de Chopper. Chopper de Chopper, un cube de la mascotte de l'équipage. Mais je suis déjà venu ici. Ah purée, je suis déjà venu ici, j'ai fait le tour. Vraiment, quel idiot. Ok, alors là, ça c'est fait, mais je suis pas monté là-haut. Je suis pas encore monté là-haut. Tac. Et bah, j'ai bien raison, parce qu'il y a des trucs. Ok. Oh, yes. Ces caisses vertes là de pour Zoro, j'ai du mal à les voir hein, des fois. Après, faut les prendre hein, parce que c'est un coup à ce que j'ai besoin du truc qu'il y a dedans. Attends, je vais monter là d'abord. Ok. Ah, on monte par là, bon. Ouais, ouais. Hegi, hegi.
Ce qui est normal. Oh, on peut descendre par là. Oh, je vais descendre par là, tiens. Comme d'hab, un cube de... Eh, j'aurais récupéré pas mal de cubes hein, sur ce chantier. Hein. C'était une bonne idée de l'explorer, en fait. Ok, ça c'est bon. Yosh! Yosh! Vas-y, on descend là. Mais ce qui fait que je peux explorer le dépôt de... Mince, le dépôt de matériaux. Oh! Ah, ça va, il est pas trop loin. Il est immense le truc. Ah, bah allez, c'est parti. On explore. Ah mince, ah j'ai pas pu récupérer. Ah je peux casser le truc mais je peux pas récupérer ma récompense. Ah bah génial. Bah pas grave. Peut-être de l'autre côté quand j'arriverai de l'autre côté. En plus, faut bien y aller pour trouver les cubes qui sont sûrement cachés. Ah bah oui, tu m'étonnes. Wow, et bah tiens, quand je disais que les cubes sont bien cachés là. Incroyable ça, où il était caché. Qu'on peut monter comment? Bon, attends, pas grave. Et bah, si, soupir, hein. Ikuzo. Ok. Petit cube pour qui? Pour Sanji. Non, mais c'est fou le nombre de cubes qu'il y avait dans cette. Ici. Hein. J'aime bien faire des bêtises. Allez, petite grue, aide-moi. Ok. J'ai pas compris à quoi. Ah, je vois. J'ai compris pourquoi j'ai besoin de la grue. Parce que je vais faire ça, et comme ça je passe. Ah mais les bouffeurs de pommes sont encore là. Ah non, il dort juste, ok. Je croyais que c'était la famille de bouffeurs de pommes d'Alabasta qui était de retour à Water Seven. Yeah, je commence à en avoir pas mal de cubes de Yaga. Bon, même s'il en faut 99, ce qui fait que j'en ai en réalité pas grand chose. Par contre, je suis loin du point de sauvegarde. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est parti pour l'exploration de la suite. Un cube. Toujours plein de cubes. Ouais. C'est pas faux. Ah là, pas tort. Waouh, attends, ça par là, ok. Exploration. Oh! Ah, c'est
Ouais, mais eh, ça fait plaisir. Bon, ça va, ils sont sympas. Hein. Ils pourraient être plus agressifs. Appeler la garde, des trucs comme ça. Non, ils sont sympas quand même. Oh, hop, tac. J'étais bien passé par là. Il est passé par ici, il repassera par là. Donc ça, tout ça, cette zone-là, c'est bon, c'est fait. Il faut que j'aille à la prochaine zone. Même si ça se trouve, j'ai raté un cube là, dans les dédales. J'ai le coffre, c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est Chopper qui peut passer, ok. Ikuzo. Ok, oui, je veux contrôler Chopper. Bah t'as trouvé un coffre, mais on peut pas l'ouvrir celui-là. Ah, il y en a pas mal des coffres comme ça ici, mais le problème c'est que j'ai pas la clé tout de suite et je me rappellerai pas où ils sont quand je l'aurai. Quoique quand j'aurai la clé, je pense que les petits sacripants auront tout fait le jeu et je pourrai aller voir sur des solutions internet. Oh, un cube. Fragment de cube de Zoro. Et bah justement, on va le prendre Zoro. Pour couper la caisse. Voilà. Dernière caisse. Et bah. Oh. Oh, pour un petit ingrédient, c'est pas grave. Ça se trouve, on reviendra en plus. On n'est pas non plus à un. Ouais, mais si c'est un cube. Le problème, c'est que si c'est un cube de Yaga, c'est chiant. Puis je l'ai vu. Je peux pas faire semblant de pas l'avoir vu. Voilà. Yoshi. Alors, non, insecte somnolent. Bon, bah pas grave. Ok. Place. Oh, je peux l'avoir ça? Ah non, pas encore. Ah, quoique aussi, je peux l'avoir en fait. Parce que ça, je peux le prendre. Hop, voilà. Tac, tac. On va aller sauvegarder. Maintenant que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Hein. Incroyable, incroyable. Je sais pas si je vais pouvoir sauvegarder. Ça va sûrement déclencher un truc. Et comme on est sur la fin du live, je l'ai activé ça. Non, je l'avais pas activé. Bravo. Allez, bim. Tac. Et on va enfin parler au mec. Ou à qui on devait parler. Qu'on a passé devant 3000 fois, là. Je suis monté, là? Bah non, je crois que je suis pas monté, là. Bah, pas du tout. Et bah... Je pensais avoir fini l'exploration. Et bah, pas du tout, en fait. La vie est encore faite de plein de surprises. Ah mais en plus... Attends, en plus va falloir bien faire attention à comment tu j'utilise la grue. Donc on va d'abord explorer le reste et après on va utiliser les grues. Enfin si j'ai le temps, non, je vais pas avoir le temps. Ok, j'aimerais bien au moins monter tout en haut. Enfin, le plus en haut possible qu'on peut ici. Voilà. Non, Panami! Je veux juste Zoro, là. Voilà. Ok. On y va. Bim. On prend ça. Hop. J'ai juste bougé une des grues pour voir comment ça fonctionne.
Bon, j'ai même le temps de monter, je pense. Ok. Yes. Ouais, j'ai 2 minutes pour monter quand même. Attends. C'est celle-là que j'ai bougé ? Non, c'est l'autre que j'ai. Ah bon, où celle-là ? Nulle part. Mais celle que j'ai bougée là, ça a servi à quoi que je la bouge ? Ok, c'est très bizarre. Ok. Vas-y, allez. On peut pas passer ? On peut pas passer le truc, ok. Mais je peux l'avoir pour monter ici, d'accord. Hop, ça c'est bon. Bon, ça je peux descendre là. Ok, ok. Petit coffre quand même. Ok, d'accord. Par contre, oui, ok, il faut la mettre là pour pouvoir qu'une fois qu'on est en haut là-bas, pouvoir aller là. Ok, ok, ok. Ouais, il manque plus que ça. Il manque plus que ça à explorer. Donc honnêtement, si je pouvais. Yes. Il y a des trucs. Ok. Ok, ok, ça c'est bon. Enfin j'espère. J'espère que j'ai tout fait. Voilà, ça. Ça, je suis allé de l'autre côté, c'est bon, j'ai récupéré ça. Ici, je peux descendre. Ah, mais c'est... Je l'ai fait, lui. Ouh, ça y est, j'ai officiellement, réellement, tout exploré. Tant mieux. Enfin, je vais pouvoir faire la sauvegarde et bon, on finira là. Ça sera vraiment... C'était vraiment le live exploration de Water 7. Hein. Et encore, hein, j'ai pas fait toute la ville puisque j'étais bloqué dans certains endroits. Donc, vraiment... La zone est immense, il y a plein de trucs à trouver. J'ai trouvé plein de cubes de personnages et ça, c'est un peu cool. Bref, on se retrouve demain. Ouais, demain, il y aura un live. Demain, forcément, il y aura un live. J'ai envie de continuer le jeu. J'aime le jeu. Malgré tout ce que je pense de mal de lui, j'aime quand même le jeu et je vais quand même continuer à jouer. Bref, à demain pour cette fois-ci avancer dans l'histoire de Water 7. Peut-être, peut-être. Parce qu'il y aura peut-être, ce sera peut-être un live de 6 heures d'exploration de la ville avec, avec tout ce qu'il y a à faire. Bref, allez, passez une très bonne journée.